Bonjour à tous, bienvenue sur Arkylon Model Kits. On se retrouve pour une review du tout dernier produit de chez Amomig, la gamme de peinture shader. Donc qu'est-ce que la gamme de peinture shader? C'est une nouvelle gamme de peinture qui est transparente et ultra fine. Donc l'idée de cette gamme-là, c'est de faire très simplement des éclaircissements, des ombrages, souligner les panneaux d'un avion, faire les traces d'échappement de l'avion. Voilà, avec un produit, on va dire, vraiment clé en main. Vous pouvez même aller jusqu'à faire un filtre hein, sur un camo double ton. Vous pouvez utiliser une des teintes pour faire un filtre. Alors c'est assez orienté, on va dire débutant. C'est un moyen facile, rapide. Vous allez obtenir exactement les mêmes techniques et le même rendu finalement avec des techniques un petit peu plus complexes qu'on a déjà vu d'ailleurs sur ma chaîne hein, en faisant des glacis, du panel liner, des choses comme ça. Là voilà, l'idée c'est d'avoir un produit clé en main, utilisable tout de suite. Alors, en termes de packaging, on est sur les petits flacons comme ça, compte-goutte de 10 ml. Donc voilà, sympa. Après, le seul truc éventuellement, c'est que bon, vous avez quand même la partie, vous voyez, bec un peu verseur là, qui est transparente. Donc vous pouvez voir un peu la teinte, mais c'est vrai qu'à la limite, moi j'aurais bien aimé un packaging un peu transparent pour pouvoir voir un petit peu la couleur vraiment directement, même si elle est illustrée là. Donc après, assez sympa, 10 ml, voilà, c'est pas mal. Vous allez voir, en termes de contenance, on va prendre, je sais pas, peu importe, voilà, celui-là, Light Olive Drab, allez hop, c'est parti. Donc vous allez voir, c'est assez liquide et transparent en fait. Donc c'est un produit hein, voilà, qui se passe à l'aéro. Évidemment, qui n'est pas à diluer, il est dilué déjà de base, sachant que si vous voulez un effet encore plus transparent, vous pouvez encore vous amuser à le rediluer, donc là, pour le rediluer, ça sera simplement avec de l'eau, et au terme de nettoyage, c'est pareil, ça se nettoie à l'eau, donc c'est évidemment pas toxique. Donc vous voyez sur la consistance, hein, si je le fais un petit peu glisser, je fais un peu de zoom avec la caméra du haut, je sais pas si avec l'autre vous allez bien voir, voilà, merci focus. Vous voyez, on a une consistance quand même, voilà, assez liquide, assez transparente. Donc c'est plutôt sympa, il n'y a pas d'odeur particulière. Honnêtement, l'odeur me fait penser à l'odeur d'un bâton de stick U, vous savez, les petits tubes de colle qu'on avait quand on était enfant. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà pour la consistance. Écoutez, j'ai préparé plein de petites choses, on va déjà faire un simple petit test comme ça. Alors voilà, c'est pas un tuto, hein, c'est une revue, je maîtrise pas le produit, j'ai essayé 2 secondes tout à l'heure. Je fais quelques tests comme ça, vite fait, et voilà, je me suis dit, voilà, le produit vient de sortir, ça peut être sympa de vous faire une petite review dessus, donc on attaque tout de suite, on va attaquer avec les petites plaques, on va faire différentes couleurs, et puis vous allez voir, j'ai un peu prévu d'autres sujets. Alors pour les besoins du test, du coup, on va utiliser le Light Grey, le Light Olive Drab, le Earth et le Ash Black, donc le Ash Black, c'est le Smoke, en gros. Donc voilà, donc vous voyez, on va faire le premier quand même ensemble, donc vous dévissez simplement votre petit capuchon, et puis on verse quelques gouttes dans le godet, donc là on va essayer de pas en mettre beaucoup. Voilà, juste histoire de quoi faire la petite démo. Donc en termes de pression, je vais être sur un petit peu plus de 15 PSI, donc soit un petit peu plus d'un bar. Donc évidemment, comme toujours, on fait un petit test à blanc sur une feuille avant. Là vous voyez, hop, on voit bien l'effet fondu, hein. Après, c'est à vous, c'est comme toute technique, hein. Même si le produit est simple d'utilisation, il y a un moment où il faut forcément s'entraîner, il y a la maîtrise de votre aéro, etc. Mais moi, j'aime beaucoup travailler à l'aérographe, donc je trouvais ça assez intéressant ce produit-là, c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs pour voir un petit peu ce que ça donne. On va tout de suite réaliser juste une petite bande, bah, comme si on faisait une trace de fumée, hein. C'est un peu, je pense, à ça que sert le noir. Donc voilà, encore une fois, hein, ça va être quand même voilà, pas miraculeux, il faut forcément la maîtrise de votre aérographe et tout ça. Moi j'ai fait quelques petits tests avant quand même pour pas partir comme ça de but en blanc. À vous de gérer la distance, et vous voyez, ça peut être vraiment très très fin, hein. Là j'ai fait un premier trait, mais vraiment ultra fin, pour vous montrer la finesse que vous pouvez avoir avec la transparence de la peinture. Donc est-ce qu'on va bien le voir avec la caméra? Voilà, vous voyez, on a une légère ligne noire. Donc voilà, vous pouvez vraiment être très, 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 très fin sur ce que vous faites. C'est ce que je trouve plutôt pas mal. Là, c'est vraiment ultra subtil. On va y aller un peu plus sur le côté. On va faire une ligne un peu plus foncée, vous voyez. On la voit déjà plus. Et vous pouvez, voilà, évidemment repasser et aller gérer l'épaisseur de trace que vous désirez. Donc écoutez les amis, je charge tout de suite d'autres couleurs. Et on passe avec un petit peu de musique. We'll be right back.
Voilà, qui va clôturer cette petite review. Donc voilà, j'espère que vous avez un bon aperçu de ce qu'est le shader de chez Amomig. Moi, je trouve ça franchement vachement bien à retenir, honnêtement. Simple d'utilisation, rapide, aérographe, nettoyage à l'eau, non toxique, voilà. Il est évident, je le redis, qu'avec d'autres techniques un peu plus avancées comme le travail à l'huile, comme de diluer une peinture simplement normale, la surdiluer un petit peu, baisser sa pression, vous arriverez exactement au résultat qui sera le même. Mais par contre, si vous voulez quand même un système assez rapide, simple et non toxique, j'insiste un peu là-dessus, bah franchement, moi je trouve ça franchement pas mal, je suis assez conquis par ce produit-là. Donc, bah écoutez, il va être mis en application sur un modèle dans pas longtemps. J'ai mon bébé Focke-Wulf qui est sur la fin, mais vraiment la grande fin. Donc vous voyez, notamment les traces de fumée, etc. Alors je vous fais une petite avant-première, hein. Vous allez avoir le droit à une belle vidéo full build. Mais il y a des effets de traces qui ont été faits avec la peinture à l'huile. Et là, c'est clair qu'avec ce type de produit, on se dit qu'on pourrait quand même gagner vachement de temps. Donc voilà, si comme moi, vous aimez bien les trucs autodilués et assez faciles d'utilisation, vous pouvez y aller. Je trouve que c'est un très bon produit. Sur ce, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien. À la prochaine.